c'est quelle heure? C'est la bonne heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de... L'histoire! Eh bien oui, justement, c'est l'heure de... Sage en voyage. Coucou Pataplouf, tu nous emmènes à la plage? Oui, bien sûr. Super cool! Merci Pataplouf, bienvenue à bord. Nous allons traverser la jungle, alors il faut que vous soyez sage. Il y a des tigres dans les parages. On va voir des tigres? Est-ce qu'ils sont méchants, Pataplouf? Non, pas ceux-là. Mais mieux vaut ne pas faire trop de bruit pour ne pas les réveiller pendant leur sieste. Ça risquerait de les mettre de mauvaise humeur. Oh là là! Et de les faire grogner un peu fort. Chut! Car là, il y a des crocodiles qui n'aiment pas trop qu'on les dérange pendant leur partie de cartes. Alors, chut! Passons tout doucement. Ouh là là! Ici, il y a des serpents avec des lunettes qui lisent des magazines. Est-ce qu'ils sont méchants ceux-là, Pataplouf? Ouh là là, chut! Non, pas du tout. Sauf si on les asticote. Alors, ils font un peu la tête. Alors, chut! Et les Ouistiti, est-ce qu'ils sont gentils? Chut! Si on ne les embête pas pendant leur déjeuner? Ouh oui! Sinon, ils rouspètent. C'est comme les oiseaux. Ils détestent que ça chahute quand ils discutent. Est-ce qu'on arrive bientôt à la plage, Pataplouf? Oui, je vois une petite mouette. On est arrivé. Youpi! On s'amuse trop bien à la plage, Pataplouf. Alors, c'était comment la plage? C'était super. On s'est bien amusé. Et maintenant, ils font la sieste. Alors... C'est déjà fini? Bah oui. Faudrait que ce soit tout le temps l'heure des histoires. Ah ça, ce serait chouette. J'adore les histoires. Allez, zou.